volonté de rendre compte d'un travail qui a été conduit sous la direction de Franck Robillard, qui regrette beaucoup de ne pas pouvoir être ici présent, donc de faire état des principaux résultats, alors un peu de méthode aussi, mais des principaux résultats de ce travail qui a été initié en 2008 sous la forme d'une recherche exploratoire financée par les MSH Paris Nord et puis ensuite par l'Agence nationale de la recherche. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le cadre théorique parce que finalement, ça fait écho à beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je crois, hier notamment et encore un peu aujourd'hui. Donc, simplement, dans le contexte français, il y a un certain nombre d'organismes qui sont censés garantir ou en tout cas préserver le pluralisme de l'information grâce à des subventions, des règles diverses et variées. Pour l'Internet, c'est un petit peu moins sophistiqué. On a quelques aides qui sont depuis peu attribuées à certains organismes considérés comme des médias en ligne. Ça pose le problème des limites et des définitions. Simplement, on a un certain nombre de rapports publics qui laissent penser que le foisonnement finalement inhérent à l'Internet, qu'on retrouve la multiplicité des sources, serait finalement une condition pratiquement suffisante pour garantir le pluralisme, alors même que des travaux plus académiques de chercheurs ont conduit des recherches et montrent bien au contraire, les pratiques, finalement, conduisent bien souvent à plus de redondance, notamment du fait de la multiplication des reprises de dépêches d'agence dans l'urgence de la publication liée à cette, notamment au référencement et à ces enjeux qui sont spécifiques et à ce mode de fonctionnement spécifique de l'Internet, plus les considérations économiques, etc., bien sûr, sur lesquelles je ne reviens pas. Alors, l'objectif du projet, c'était d'avoir, le mot mesuré est peut-être pas adéquat, mais malgré tout, c'était d'appréhender cette question du pluralisme de l'information en ligne à vaste échelle. L'objectif, c'était de se donner les moyens sur une période et donner, pas un jour, mais plus qu'un jour, certaines durées, comprenant le week-end, plusieurs jours de la semaine, etc. D'observer le plus grand nombre de sites, voire même l'idéal était l'exhaustivité dans la publication de l'information générale et politique. Les critères pour évaluer ou en tout cas apprécier le pluralisme découlent des travaux qui ont été présentés hier par Philippe Bouquillon sur l'économie de la culture, donc la variété, l'équilibre et la disparité qui ont été donc adaptés en quelque sorte à la question spécifique de l'information journalistique, médiatique. Donc la variété, ça a été traduit en essayer d'identifier le nombre de sujets d'actualité abordés par les médias, donc quelque part essayer d'apprécier la diversité des sujets au sein de l'agenda médiatique. L'équilibre consistait à voir si sur un sujet combien d'articles ont été proposés et en fonction aussi des catégories de sites, puisque il s'agissait pas de travailler uniquement sur l'information en ligne dite labellisée, mais bien sur l'information en ligne comprenant aussi la production des blogs par exemple. Et puis la disparité, alors il a souvent été question de la difficulté de mesurer ou en tout cas d'envisager la question du pluralisme, la grande variété ou diversité des appréciations possibles et l'importance du qualitatif aussi, puisqu'on peut très bien avoir un sujet abondamment traité et aussi une pluralité d'approches, hein, d'angles pour traiter ce sujet, d'opinion. Alors, je vais me contenter dans le cadre de cette présentation de deux axes. En fait, cette recherche est beaucoup plus nourrie et beaucoup plus complexe avec un axe central et plusieurs recherches connexes, en quelque sorte, pour compléter l'approche centrale. Donc, je me contenterai de l'approche centrale qui est quantitative et d'une approche qualitative pour répondre à ces trois critères.
J'invite bien sûr tous ceux qui sont intéressés par la recherche à vous reporter au numéro de réseau qui est paru à la fin de l'année 2012, début 2013, et qui reprend quasiment presque la totalité des travaux conduits. Voilà. Sur la définition et la constitution du corpus pour le quantitatif, donc l'axe central de la recherche, le premier travail a consisté à définir, à décider de quel site figurerait dans la base avec tout ce que ça suppose comme arbitrage. Donc la question, on a décidé de se consacrer, enfin de sélectionner les sites qui privilégiaient l'actualité nationale, générale et politique française. Répartis sur quatre grandes catégories sur lesquelles là aussi je ne reviendrai pas, c'est des typologies, des catégorisations qui ont été définies en amont. Donc les médias en ligne correspondent aux sites web de médias existants hors ligne. Les infomédiaires, on en a déjà pas mal parlé, Nico c'est spécialiste de la question, concernent les agrégateurs essentiellement. Les médias natifs de l'Internet, parfois appelés les pure players, et les blogs. Alors, on a enregistré en continu le flux RSS. Il a été question tout à l'heure aussi, en termes méthodologiques, de la difficulté de travailler avec des pages web, compte tenu, je dirais, de l'hétérogénéité des éléments qui composent ces pages web. Donc, après, pour faire un travail, c'est compliqué. Donc, on a travaillé à partir des flux RSS à la une et actualité, sur une période allant du 7 au 17 mars 2011, à partir d'un logiciel, là aussi, développé pour les besoins du programme. Ce qui nous a permis de collecter 37 569 articles. Voilà. Alors, l'autre étape, vous l'aurez compris, ce logiciel crée la base de données avec le même type d'informations que dans le sujet précédent, le terrain précédent. Simplement, après, avec cette base de données, il faut encore trouver les moyens de travailler et de faire l'analyse. Donc, en premier lieu, un pré-traitement pour faire des regroupements, notamment repérer les articles en doublons, les proximités lexicales, etc., qui vont faciliter le travail du codage manuel qui a été fait par un collègue, donc Emmanuel Marty, qui était à l'époque en post-doctorat, et qui a regroupé les articles sur des sujets médiatiques, de façon à pouvoir justement apprécier la variété ou non de l'agenda médiatique. Plusieurs mois après ce travail long et fastidieux, des tests de fiabilité ont été effectués sur 10% du corpus, des tests intra- et intercodeurs, donc sur des articles de façon sélectionnés de façon aléatoire, donc intracodeur et intercodeur, donc le même codeur a recodé pour voir s'il retrouvait la même chose, il produisait le même type de résultat, et un codeur externe s'est aussi confronté à la tâche, et les résultats donc que je vous livre là ont été jugés suffisamment satisfaisants pour produire pour que on puisse travailler ensuite sur cette base. Alors, ce corpus dont je vous ai indiqué donc, le nombre d'articles, là, ce qui nous intéresse ici, c'est plusieurs choses. Je pourrais passer beaucoup de temps sur ce tableau, mais comme le temps presse, je vais aller à l'essentiel. Donc, la première chose, c'est quand même de constater qu'il y a un grand nombre de sujets qui ont été abordés sur ces 11 jours, parce que finalement, il y a 5841 sujets différents qui ont été abordés sur ces 11 jours. On peut noter aussi le fait qu'il y a une certaine stabilité dans la production avec une baisse assez significative le week-end, ce qui renvoie à des considérations socio-économiques, c'est-à-dire un manque de personnel, une baisse d'effectifs dans les salles de rédaction pendant le week-end. On a mis en bleu la journée du 11 mars, tout simplement parce que c'est une journée exceptionnelle, ce qui fait que notre corpus a été est à la fois significatif et en même temps il a une donnée un peu particulière, c'est que le 11 mars, il s'est passé le tsunami au Japon. Et donc nécessairement, derrière le 11 mars, alors ce qui est intéressant, c'est de noter justement que le 11 mars, on a un nombre d'articles nettement supérieur, quand même 700 articles de plus hein, entre le jeudi et le vendredi.
alors qu'on est en semaine, etc. Et puis, par contre, une baisse du nombre de sujets. Donc, on voit bien que sur des méta-sujets comme ça, des gros événements qui surviennent, on a une forme de concentration hein, du nombre de sujets et aussi une abondance d'articles sur des sujets donc, en plus faible nombre. Voilà. Alors un agenda médiatique, on va dire, qui propose une certaine variété, pour autant, et ça permet de pondérer un peu ce premier résultat, un agenda médiatique qui est quand même particulièrement déséquilibré. Alors là, ça fait aussi un peu écho à la présentation précédente, puisqu'on voit bien qu'on a ces phénomènes de méta-sujets avec des sujets qui sont traités avec plus de 4000 articles sur la période, et puis assez rapidement, là ce sont les 50 sujets les plus traités, on voit assez rapidement la courbe dégringoler. Voilà. Alors, pour continuer sur cette perspective du déséquilibre, on a constaté donc une forte concentration, bien sûr, de production d'articles sur des sujets en petit nombre, mais on a aussi constater ce phénomène de long traîne, c'est-à-dire que les blogs publient beaucoup d'articles qui sont originaux, au sens où ils sont très peu repris, un sujet est traité peut-être par 4 ou 5 sites, mais pas plus. Ces blogs donc proposent beaucoup de sujets originaux, mais forcément cette espèce de diversité, de variété, d'éclectisme est je dirais entaché ou en tout cas limité par une productivité qui est faible, puisque les blogueurs publient en moyenne un billet par jour, donc c'est une moyenne. Donc voilà. Donc sur cette question de l'agenda médiatique du web français, je vais vraiment très très vite, hein, on a donc pu constater une grande variété de sujets, mais un très fort déséquilibre de l'agenda médiatique. Donc on l'a vu, les deux courbes précédentes le montraient, une contribution inégale, c'est-à-dire qu'on a une certaine variété de sujets qui est abordée par les infomédiaires, ce sont eux qui abordent le plus grand nombre de sujets différents, mais c'est lié à une stratégie qui est celle d'une productivité ou d'une agrégation, hein, parce qu'ils collectent plus qu'ils ne produisent, mais une stratégie de productivité intensive et volonté de couvrir la totalité du territoire médiatique, alors même que les blogs et les pure players, et Nikos y avait fait référence hier, vont, je dirais presque par contrat de communication, faire un pas sur le côté et essayer justement de tout faire pour ne pas céder, je dirais, ne pas être dans la pensée unique, etc. Donc essayer de trouver des sujets originaux, etc. Alors, ok, il y a des sujets qui sont abondamment traités. Ceci dit, un sujet abondamment traité l'est-il de la même manière partout les sites web? Alors, ça c'était le groupe qualitatif auquel j'ai participé, donc qui a travaillé, qui a dû constituer un corpus différent. Les méthodes sont forcément pas tout à fait les mêmes hein, quand on passe du quanti au quali. Et donc, on a identifié un sujet. Alors, vous voyez, on passe d'une échelle dans la durée d'une dizaine de jours avec une volonté d'exhaustivité, avec un système de carottage hein, où on va aller chercher un sujet qu'on va travailler en profondeur. Voilà. Donc, on a identifié un sujet qui nous semblait pertinent. En l'occurrence, c'était la publication des résultats d'un sondage. Donc c'était en mars 2011, donc c'était bien avant la présidentielle de 2012, mais qui laissait supposer que Marine Le Pen, donc leader du Front National en France, pourrait arriver au premier tour de la présidentielle. Si on a choisi ce sujet-là, en fait on avait choisi deux, on a choisi finalement de travailler ce sujet-là, c'est parce qu'il permettait d'apprécier différents types de publications, parce que on avait aussi choisi un sujet international, en l'occurrence le conflit en Libye, et là on s'était rendu compte que les blogs publiaient très peu sur le sujet. Ça pose aussi question hein. C'est qu'il y a des thématiques et des sujets qui permettent d'apprécier et puis d'autres où on voit bien que les blogueurs sont un peu écartés, exclus de la publication.
Alors, l'enregistrement s'est fait de façon manuelle, à la fois du texte intégral et des pages écran. Alors, le texte intégral, pour pouvoir apprécier, je dirais, dans toutes ses nuances, l'écriture, la mise en récit de l'événement. Et puis, les pages écran, puisque la dimension visuelle, iconique, participe aussi du discours médiatique. On sait que la mise en scène de l'événement peut être aussi signifiante. Avec 161 articles, ça nous semblait encore un peu beaucoup pour avoir une lecture très fine des articles. On a défriché en quelque sorte le terrain en faisant passer le logiciel Iramutech qui nous a permis d'identifier trois grandes univers de discours et on a choisi des articles qui étaient correspondants et qui étaient emblématiques de ces trois univers de discours. Très rapidement, je les passe là. Donc, un premier univers qui, finalement... Donc, vous voyez, on rentre par des univers de discours et finalement, on retrouve des catégories de sites. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans l'approche. C'est-à-dire, ces univers de discours sont le compte-rendu factuel de la compétition électorale porté essentiellement par des infomédiaires et des médias en ligne pour un tiers du corpus. Ensuite, une analyse beaucoup plus basée sur le commentaire, l'analyse critique, etc., portée par les blogs et les sites natifs de l'Internet pour plus de la moitié de notre corpus. Et puis, une sorte d'univers qui est plus constitué d'éléments rebonds. On verra très rapidement ce dont il s'agit. Alors, sur le premier univers de discours, très rapidement... l'objectivité, je vais aller à l'essentiel parce que j'ai vraiment très peu de temps. Donc l'objectivité est très marquée, c'est-à-dire que la norme d'écriture des médias en ligne s'applique. Alors c'est très utile pour eux de mobiliser un sondage puisqu'on sait que le sondage avec ses données chiffrées permet à l'énonciateur de se mettre en retrait, fait parler les chiffres avec un sentiment, un leurre d'objectivité bien sûr. On ne critique jamais, on ne met jamais en question la méthodologie du sondage, on n'interroge pas finalement ce sondage ni dans ses enjeux sociaux, etc. On se contente de donner la parole à une polyphonie donc de locuteurs autorisés, essentiellement des hommes politiques. On va essayer de veiller à un certain équilibre des experts. On a essayé d'identifier les conséquences de ce renoncement au débat et les conséquences politiques de cette stratégie ou de cette manière de mettre en récit l'événement. Donc on retrouve l'idée que on valorise plus le jeu politique que le débat, en essayant de parier, en faisant des hypothèses sur le vainqueur ou en tout cas les élections à venir. Et finalement, on a trouvé que ça construisait une sorte de légitimation de la candidate du Front National, notamment en lui accordant une sorte d'éthos fait d'implication, d'authenticité, une légitimité issue aussi de l'histoire, c'est-à-dire elle est la digne héritière de son père, qui lui-même avait était arrivé au premier tour des élections en avril. Très rapidement, du côté de l'image, on voit que les images de la presse en ligne présentant Marise Le Pen sont généralement des images fabriquées qui sont issues de ses meetings, donc des images qui sont très encadrées par son staff politique, de communication, pardon. Donc aucun travail iconique, aucune énonciation particulière, sauf d'accepter finalement celle qui est imposée par le staff de Marine Le Pen. Donc vous reconnaîtrez les couleurs, etc., du drapeau français auquel elle souhaite être associée, bien évidemment. Et puis cette espèce de véhémence ou d'implication dans le discours qui est soi-disant gage d'authenticité. Alors, sur les blogs, l'aspect plus... de discussion, d'analyse, de commentaires, on a... découvert un travail d'écriture particulièrement sophistiqué, avec bien sûr utilisant tous les moyens de l'argumentation, les connecteurs logiques, les références à l'histoire, etc., et des prises de position et des dénonciations tout à fait assumées, une volonté de signer, de revendiquer une écriture personnelle.
Et puis on a découvert aussi deux niveaux dans, dans cet ensemble. Le registre de la polémique est omniprésent, la volonté d'interagir avec son lectorat, pour une part, c'est ce qu'on a appelé les discours polémiques, et pour une autre part, minoritaire mais quand même très présente, quelque chose qu'on a associé à la posture pamphlétaire qui est faite d'indignation et de sarcasme et qui n'invite pas à l'interaction. On est dans une attitude très jusque-boutiste, voire de tragédie, et on va jusque, oui, à des outrances, de la vulgarité, etc., qui n'appellent pas de réponse. Alors on est bien dans un espace où on se distingue très nettement des normes du journalisme professionnel, avec une tension entre une écriture qu'on veut singulière, qu'on veut très travaillée, mais finalement qui refabrique aussi des normes qui sont liées au contrat de communication un peu spécifique du blog. Alors très rapidement, les images vues par les blogueurs, donc ici, donc on voit ici le sarcasme, les montages d'un goût pas toujours évident, etc. Mais cette volonté de se démarquer, très peu d'images par rapport à la presse en ligne, puisque très peu de moyens d'accéder à une production iconique, ou des images métaphoriques, et puis les pure players qui sont dans un entre-deux où on sent qu'ils aimeraient, pour certains, être proches des médias en ligne traditionnels, mainstream, et d'autres qui tirent beaucoup plus vers l'univers des blogs, une espèce d'entre-deux sur les pure players. Alors, je crois que je vais passer, parce que je ne vais pas arriver à conclure, simplement pour cette petite catégorie qui comprenait que 15% du corpus. On a pu constater que différents sites utilisaient le scandale pour faire rebondir l'information et créer, je dirais, une certaine circulation de l'information. Alors, Mediapart, avec sa stratégie du scoop, qui est abondamment ensuite repris par d'autres médias et cité, ce qui lui permet ensuite d'être très bien référencé, etc., ensuite, et puis de conforter son positionnement de média d'investigation. En l'occurrence, là, c'était un peu tiré par les cheveux, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, les propos controversés. Donc là, on voit bien aussi comment, en extirpant une citation, une phrase, etc., on va permettre de faire rebondir, là aussi, l'information. Et simplement, la conclusion qui était intéressante de cette partie-là, c'est que ça crée des interrelations, c'est-à-dire que les deux bulles qu'on avait un peu identifiées, les médias en ligne, les mainstream, etc., et puis les médias plus alternatifs, finalement, ici, se retrouvent dans une circulation de l'information. Je zappe pour aller à la conclusion définitive. Enfin, définitive, non, c'est un très vilain mot, mais à la conclusion de cette présentation qui appellera peut-être discussion et donc surtout pas définitive. Alors, on a bien observé un pluralisme offert, j'insiste sur le terme offert, qui se structure autour d'une dualité de l'offre d'information sur le web, avec une publication large, y compris de la part des infomédiaires, mais très concentrée sur peu de sujets, avec une expression qui est marquée, ou une écriture qui est marquée par la distanciation et une énonciation qui est souvent déléguée à d'autres acteurs, parmi lesquels donc là les politiques ou les experts, une publication beaucoup plus dispersée de sujets originaux du côté des blogs, avec un engagement énonciatif. Donc on voit des registres de discours là aussi très différents, mais aussi des porosités, des interrelations. Alors cette domination quantitative quand même de cette information mainstream pose quand même question. Il aurait été nécessaire, je dirais, de la valider encore un peu plus, ou en tout cas de l'ausculter avec la question de la consommation, mais qui renvoie à d'autres questions, d'autres méthodologies là aussi. Voilà, c'est tout un travail qui reste à faire et qui questionne aussi la responsabilité des citoyens. Donc ça ouvre des débats lourds de conséquences. Voilà.